Prière de coupure de lien. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par la puissance de sa croix, de son sang et de sa résurrection, je vous lie, Satan, les esprits, les puissances et les forces des ténèbres, le monde inférieur et les forces du mal de la nature. Je prends autorité sur toutes les malédictions, activités démoniaques et sorts dirigés contre moi, mes relations, mon ministère, l'air qui m'environne, les finances et le travail de mes mains. Et je les brise par la puissance et l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Je lis toutes les interactions démoniaques et les communications entre les esprits envoyés contre moi, et je les envoie directement à Jésus-Christ pour qu'il les traite comme il le veut. Je demande pardon et dénonce tous les vœux intérieurs négatifs que j'ai faits avec l'ennemi, et demande que Jésus-Christ me libère de ces vœux et de tout lien par lesquels je suis tenu en esclavage. Je demande à Jésus, le Fils du Dieu vivant, de verser son sang sur tous les aspects de ma vie pour ma protection. Je prie toutes ces choses au nom précieux de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Prière pour couper les liens et briser toute malédiction. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que tout maléfice, charme, envoûtement, machination, sortilège ou mauvais sort soit anéanti à jamais. Que toute malédiction, imprécation, condamnation, anathème ou parole magique prononcée contre moi soit détruit à jamais. Que tout pouvoir ou domination exercé consciemment ou non contre moi soit abattu à jamais. Que tout lien, quel qu'il soit, existant entre moi et quiconque me veut ou me fait du mal, soit coupé pour toujours. Que tout cela se fasse au nom de Jésus-Christ, notre libérateur, et par la puissance de son Esprit Saint. Que tout soit purifié dans le sang précieux de Jésus-Christ, et qu'à l'instant même, tout soit changé, converti en grâce, santé, bénédiction, joie, amour et liberté totale pour moi et ma famille. Et que ceux qui me voudraient du mal soient aussi comblés de grâce, de bénédiction et d'amour par la miséricorde infinie du cœur sacré de Jésus. Au nom de Jésus, par la puissance de son Esprit Saint, à la gloire et à la louange de Dieu le Père. Amen. Prière pour briser les liens avec d'anciens partenaires sexuels. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance invincible de sa croix glorieuse et de son précieux sang, versé pour nous sauver, nous délivrer et nous guérir, je brise tout lien entre moi et mes anciens partenaires sexuels. Je brise non seulement
les liens spirituels, intellectuels, psychologiques, émotionnels et physiques avec tous ses anciens partenaires sexuels, mais aussi les liens avec toutes les personnes qu'ils ont connues sexuellement avant ou pendant notre relation. Que le précieux sang de l'agneau de Dieu, immolé pour le salut du monde, mort et ressuscité pour nous réconcilier avec notre Créateur et nous rendre la liberté des enfants de Dieu par le don de l'Esprit Saint, me purifie et me lave de toute souillure, et que la croix glorieuse de notre Seigneur me délivre d'un quelconque attachement à ces personnes. Par amour pour mon prochain, selon le commandement divin, je demande également à notre Seigneur de libérer ses anciens partenaires sexuels de tout mal causé chez eux par notre relation. Quant à moi, je me place désormais sous le manteau de la Vierge Immaculée et la protection de Saint Michel Archange et des saints anges, afin de rester toujours unis au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Prière pour briser les autels et les liens sataniques. Saint Michel Archange, prince de la milice céleste, Saint Gabriel Archange, messager de l'incarnation du Verbe éternel, Saint Raphaël Archange, vainqueur d'Asmodée, daignez frapper les autels sataniques qui portent mon nom et tout ce qui s'oppose à mon salut éternel par Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Dieu. Saint Michel Archange, prince de la milice céleste, Saint Gabriel Archange, messager de l'incarnation du Verbe éternel, Saint Raphaël Archange, vainqueur d'Asmodée, daignez vous rendre à l'autel satanique de ma famille, aux réunions sataniques de ma famille dans mon village et dans mon entourage, dans les couvents de la sorcellerie et dans tout lieu où on prononce mon nom, afin de me nuire ou de me faire mourir, et anéantissez leurs actions contre moi. Au nom de Jésus-Christ, mort et ressuscité, que le mal qui m'était destiné retourne à l'envoyeur, non en esprit de vengeance, mais pour sa conversion et son salut éternel. Saint Michel Archange, prince de la milice céleste, Saint Gabriel Archange, messager de l'incarnation du Verbe éternel, Saint Raphaël Archange, vainqueur d'Asmodée, daignez trancher les liens démoniaques qui me rattachent à ma ville natale et aux forces occultes qui en veulent à ma vie d'enfant de Dieu. Saint Michel Archange, prince de la milice céleste, Saint Gabriel Archange, messager de l'incarnation du Verbe éternel, Saint Raphaël Archange, vainqueur d'Asmodée, daignez me défendre pendant mon sommeil, afin qu'il soit paisible et reposant. Au nom de Jésus-Christ, je refuse de manger et de boire en songe, d'être étranglé en songe, de retourner en arrière ou de redescendre une échelle. Saint Michel Archange, prince de la milice céleste, Saint Gabriel Archange, messager de l'incarnation du Verbe éternel, Saint Raphaël Archange, vainqueur d'Asmodée, daignez me libérer de l'esprit de retard, de l'esprit de non-accomplissement, de l'esprit de misère matérielle et corporelle, de l'esprit de mort,
de l'esprit de torpeur, de l'esprit qui empêche le mariage, de l'esprit de luxure, de l'esprit d'infidélité conjugale, de l'esprit de divorce, de l'esprit de colère, de l'esprit de désespoir, de l'esprit d'alcoolisme, de l'esprit de tabagisme et de tout esprit mauvais qui entrave mon plein épanouissement matériel, corporel et spirituel. Saint Michel Archange, prince de la milice céleste, Saint Gabriel Archange, messager de l'incarnation du Verbe éternel, Saint Raphaël Archange, vainqueur d'Asmodée, daignez refouler tous les sorciers et sorcières qui voyagent dans l'astral pour m'épier, me jouer de mauvais tours, me rendre malade, me harceler physiquement et psychologiquement, et chasser les bêtes immondes, mouches, guêpes, araignées, scorpions, serpents, crapauds, grenouilles, sauterelles, qu'il m'envoie pour m'épuiser. Saint Michel Archange, prince de la milice céleste, Saint Gabriel Archange, messager de l'incarnation du Verbe éternel, Saint Raphaël Archange, vainqueur d'Asmodée, daignez protéger mon corps afin qu'il ne serve pas de véhicule dans le monde visible ou invisible et ne soit utilisé pour des actions maléfiques à mon insu. Viens, Esprit Saint, Esprit du Dieu vivant et vrai, fais ta demeure en moi, que je sois un temple saint, un temple consacré au Seigneur, qui terrorise mes ennemis et les met en fuite. Saint Michel Archange, prince de la milice céleste, Saint Gabriel Archange, messager de l'incarnation du Verbe éternel, Saint Raphaël Archange, vainqueur d'Asmodée, daignez détruire toutes les armées de Satan qui m'assiègent et rendez vain leur funeste projet de me nuire et de nuire à ma famille et à mes amis. Au nom de Jésus-Christ, que je baigne dans la lumière divine et sois invisible aux puissances des ténèbres. Saint Michel Archange, prince de la milice céleste, Saint Gabriel Archange, messager de l'incarnation du Verbe éternel, Saint Raphaël Archange, vainqueur d'Asmodée, daignez anéantir tout pacte satanique fait contre moi, tout écrit ou parole maléfique consigné dans des dossiers de sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ, je refuse d'être ballotté ici et là par quelque télécommande maléfique utilisée contre moi pour détruire ma vie. Je refuse d'être manipulé et je me libère de tout envoûtement en me plaçant sous la protection du précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Michel Archange, prince de la milice céleste, Saint Gabriel Archange, messager de l'incarnation du Verbe éternel, Saint Raphaël Archange, vainqueur d'Asmodée, daignez renverser les citadelles maléfiques de l'esprit de sorcellerie dans mon village natal, au carrefour de mon quartier, dans des maisons non habitées, dans l'estomac des maléficieurs, dans toutes les réunions de sorciers et de sorcières, ayant lieu durant le jour ou durant la nuit, dans des arbres ou des cimetières. Que par la puissance du nom de Jésus-Christ, je sois restauré matériellement, corporellement et spirituellement. Amen. Alléluia.
Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par la puissance de sa croix, de son sang et de sa résurrection, je vous lis, Satan, les esprits, les puissances et les forces des ténèbres, le monde inférieur et les forces du mal de la nature. Je prends autorité sur toutes les malédictions, activités démoniaques et sorts dirigés contre moi, mes relations, mon ministère, l'air qui m'environne, les finances et le travail de mes mains. Et je les brise par la puissance et l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Je lis toutes les interactions démoniaques et les communications entre les esprits envoyés contre moi, et je les envoie directement à Jésus-Christ pour qu'il les traite comme il le veut. Je demande pardon et dénonce tous les vœux intérieurs négatifs que j'ai faits avec l'ennemi, et demande que Jésus-Christ me libère de ces vœux et de tout lien par lesquels je suis tenu en esclavage. Je demande à Jésus, le Fils du Dieu vivant, de verser son sang sur tous les aspects de ma vie pour ma protection. Je prie toutes ces choses au nom précieux de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Envoie ton esprit et on aura une nouvelle création, et tu renouvelleras la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui as instruit tes fidèles en illuminant leur cœur par la lumière du Saint-Esprit, accorde-nous de trouver dans ce même esprit le goût du bien et de jouir toujours de son réconfort par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Prière de délivrance des esprits mauvais. Par la grâce de mon baptême, dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Seigneur, je t'ordonne, esprit mauvais, esprit de peur, de maladie, de mort, de suicide, d'impureté, de malédiction, de t'éloigner de moi et de t'en aller à la croix, aux pieds de Jésus, pour qu'il dispose de toi selon le jugement déjà prononcé. Et je te défends, au nom de Jésus de Nazareth,
qui a pris chair de la Vierge Marie, de revenir me nuire, de m'obséder ou de m'oppresser. Esprit mauvais, va-t'en maintenant et ne reviens plus. Tu n'as aucun droit sur moi et rien en moi ne t'appartient. Le sang de Jésus me protège et je proclame ma parfaite libération et ma délivrance. Au nom de Jésus. Amen. Par la grâce de mon baptême, dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Seigneur, je t'ordonne, esprit mauvais, esprit de peur, de maladie, de mort, de suicide, d'impureté, de malédiction, de t'éloigner de moi et de t'en aller à la croix, aux pieds de Jésus, pour qu'il dispose de toi selon le jugement déjà prononcé. Et je te défends, au nom de Jésus de Nazareth, qui a pris chair de la Vierge Marie, de revenir me nuire, de m'obséder ou de m'oppresser. Esprit mauvais, va-t'en maintenant et ne reviens plus. Tu n'as aucun droit sur moi et rien en moi ne t'appartient. Le sang de Jésus me protège et je proclame ma parfaite libération et ma délivrance. Au nom de Jésus. Amen. Par la grâce de mon baptême, dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Seigneur, je t'ordonne, esprit mauvais, esprit de peur, de maladie, de mort, de suicide, d'impureté, de malédiction, de t'éloigner de moi et de t'en aller à la croix, aux pieds de Jésus, pour qu'il dispose de toi selon le jugement déjà prononcé. Et je te défends, au nom de Jésus de Nazareth, qui a pris chair de la Vierge Marie, de revenir me nuire, de m'obséder ou de m'oppresser. Esprit mauvais, va-t'en maintenant et ne reviens plus. Tu n'as aucun droit sur moi et rien en moi ne t'appartient. Le sang de Jésus me protège et je proclame ma parfaite libération et ma délivrance. Au nom de Jésus. Amen. Par la grâce de mon baptême, dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Seigneur, je t'ordonne, esprit mauvais, esprit de peur, de maladie, de mort, de suicide, d'impureté, de malédiction, de t'éloigner de moi et de t'en aller à la croix, aux pieds de Jésus, pour qu'il dispose de toi selon le jugement déjà prononcé. Et je te défends, au nom de Jésus de Nazareth, qui a pris chair de la Vierge Marie, de revenir me nuire, de m'obséder ou de m'oppresser. Esprit mauvais, va-t'en maintenant et ne reviens plus. Tu n'as aucun droit sur moi et rien en moi ne t'appartient. Le sang de Jésus me protège et je proclame ma parfaite libération et ma délivrance. Au nom de Jésus. Amen. Par la grâce de mon baptême, dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Seigneur, je t'ordonne, esprit mauvais, esprit de peur, de maladie, de mort, de suicide, d'impureté, de malédiction, de t'éloigner de moi et de t'en aller à la croix, aux pieds de Jésus, pour qu'il dispose de toi selon le jugement déjà prononcé. Et je te défends, au nom de Jésus de Nazareth, qui a pris chair de la Vierge Marie, de revenir me nuire, de m'obséder ou de m'oppresser. Esprit mauvais, va-t'en maintenant
et ne reviens plus. Tu n'as aucun droit sur moi et rien en moi ne t'appartient. Le sang de Jésus me protège et je proclame ma parfaite libération et ma délivrance. Au nom de Jésus. Amen. Par la grâce de mon baptême, dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Seigneur, je t'ordonne, esprit mauvais, esprit de peur, de maladie, de mort, de suicide, d'impureté, de malédiction, de t'éloigner de moi et de t'en aller à la croix, aux pieds de Jésus, pour qu'il dispose de toi selon le jugement déjà prononcé. Et je te défends, au nom de Jésus de Nazareth, qui a pris chair de la Vierge Marie, de revenir me nuire, de m'obséder ou de m'oppresser. Esprit mauvais, va-t'en maintenant et ne reviens plus. Tu n'as aucun droit sur moi et rien en moi ne t'appartient. Le sang de Jésus me protège et je proclame ma parfaite libération et ma délivrance. Au nom de Jésus. Amen. Par la grâce de mon baptême, dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Seigneur, je t'ordonne, esprit mauvais, esprit de peur, de maladie, de mort, de suicide, d'impureté, de malédiction, de t'éloigner de moi et de t'en aller à la croix, aux pieds de Jésus, pour qu'il dispose de toi selon le jugement déjà prononcé. Et je te défends, au nom de Jésus de Nazareth, qui a pris chair de la Vierge Marie, de revenir me nuire, de m'obséder ou de m'oppresser. Esprit mauvais, va-t'en maintenant et ne reviens plus. Tu n'as aucun droit sur moi et rien en moi ne t'appartient. Le sang de Jésus me protège et je proclame ma parfaite libération et ma délivrance. Au nom de Jésus. Amen. Prière de délivrance pour vaincre les mauvais esprits. Seigneur, Père céleste, regarde-moi favorablement. Par le précieux sang de ton divin Fils, accorde-moi toutes les grâces et tous les dons du Saint-Esprit pour que je te connaisse toujours mieux, que je t'aime toujours plus ardemment et te serve encore plus fidèlement. Écarte de moi toutes les influences néfastes de Satan. Je te commande, esprit rejeté par Dieu avec ta suite, de te retirer immédiatement avec ton venin. Ne reviens plus jamais et n'aie plus aucune emprise sur moi. Voici la croix du Seigneur, fuyez, esprits infernaux. Je vous l'ordonne comme enfants de Dieu, enfants de la Sainte Église catholique, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, Père céleste, regarde-moi favorablement. Par le précieux sang de ton divin Fils, accorde-moi toutes les grâces et tous les dons du Saint-Esprit pour que je te connaisse toujours mieux, que je t'aime toujours plus ardemment et te serve encore plus fidèlement. Écarte de moi toutes les influences néfastes de Satan. Je te commande, esprit rejeté par Dieu, avec ta suite, de te retirer immédiatement avec ton venin. Ne reviens plus jamais
et n'aie plus aucune emprise sur moi. Voici la croix du Seigneur, fuyez, esprits infernaux. Je vous l'ordonne comme enfant de Dieu, enfant de la Sainte Église catholique, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, Père céleste, regarde-moi favorablement. Par le précieux sang de ton divin Fils, accorde-moi toutes les grâces et tous les dons du Saint-Esprit pour que je te connaisse toujours mieux, que je t'aime toujours plus ardemment et te serve encore plus fidèlement. Écarte de moi toutes les influences néfastes de Satan. Je te commande, esprit rejeté par Dieu avec ta suite, de te retirer immédiatement avec ton venin. Ne reviens plus jamais et n'aie plus aucune emprise sur moi. Voici la croix du Seigneur, fuyez, esprits infernaux. Je vous l'ordonne comme enfant de Dieu, enfant de la Sainte Église catholique, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, Père céleste, regarde-moi favorablement. Par le précieux sang de ton divin Fils, accorde-moi toutes les grâces et tous les dons du Saint-Esprit pour que je te connaisse toujours mieux, que je t'aime toujours plus ardemment et te serve encore plus fidèlement. Écarte de moi toutes les influences néfastes de Satan. Je te commande, esprit rejeté par Dieu avec ta suite, de te retirer immédiatement avec ton venin. Ne reviens plus jamais et n'aie plus aucune emprise sur moi. Voici la croix du Seigneur, fuyez, esprits infernaux. Je vous l'ordonne comme enfant de Dieu, enfant de la Sainte Église catholique, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, Père céleste, regarde-moi favorablement. Par le précieux sang de ton divin Fils, accorde-moi toutes les grâces et tous les dons du Saint-Esprit pour que je te connaisse toujours mieux, que je t'aime toujours plus ardemment et te serve encore plus fidèlement. Écarte de moi toutes les influences néfastes de Satan. Je te commande, esprit rejeté par Dieu avec ta suite, de te retirer immédiatement avec ton venin. Ne reviens plus jamais et n'aie plus aucune emprise sur moi. Voici la croix du Seigneur, fuyez, esprits infernaux. Je vous l'ordonne comme enfant de Dieu, enfant de la Sainte Église catholique, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, Père céleste, regarde-moi favorablement. Par le précieux sang de ton divin Fils, accorde-moi toutes les grâces et tous les dons du Saint-Esprit pour que je te connaisse toujours mieux, que je t'aime toujours plus ardemment et te serve encore plus fidèlement. Écarte de moi toutes les influences néfastes de Satan. Je te commande, esprit rejeté par Dieu avec ta suite, de te retirer immédiatement avec ton venin. Ne reviens plus jamais et n'aie plus aucune emprise sur moi.
voici la croix du Seigneur, fuyez esprits infernaux. Je vous l'ordonne comme enfants de Dieu, enfants de la Sainte Église catholique, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, Père céleste, regarde-moi favorablement. Par le précieux sang de ton divin Fils, accorde-moi toutes les grâces et tous les dons du Saint-Esprit pour que je te connaisse toujours mieux, que je t'aime toujours plus ardemment et te serve encore plus fidèlement. Écarte de moi toutes les influences néfastes de Satan. Je te commande, esprit rejeté par Dieu avec ta suite, de te retirer immédiatement avec ton venin. Ne reviens plus jamais et n'aie plus aucune emprise sur moi. Voici la croix du Seigneur, fuyez esprits infernaux. Je vous l'ordonne comme enfant de Dieu, enfant de la Sainte Église catholique, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière de libération et de protection des esprits mauvais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu du ciel, Dieu de la terre, Dieu des anges, Dieu des archanges, Dieu des patriarches, Dieu des prophètes, Dieu des apôtres, Dieu des martyrs, Dieu des confesseurs, Dieu des vierges, Dieu de tous les saints et saintes, Dieu qui avait le pouvoir de donner la vie après la mort et le repos après le labeur, car il n'y a pas et il ne peut y avoir d'autre Dieu que vous, Créateur de toutes les choses visibles et invisibles. Dieu qui voulait sauver tous les hommes et avait tant aimé le monde, que vous lui avez donné votre Fils unique pour détruire les œuvres du diable. J'implore humblement votre glorieuse majesté en ma faveur et en faveur de ceux et celles qui sont victimes des esprits mauvais, afin que vous nous libériez des pièges, de la tromperie et de la malveillance de Satan, et de toute la puissance des esprits infernaux, et que nous soyons gardés sains et saufs dans votre grâce. Envoyez-nous, Seigneur, l'Esprit de vérité que votre Fils a promis à ses disciples. Envoyez votre Paraclet du ciel, d'où vous avez fait tomber le diable comme l'éclair. Envoyez l'Esprit Paraclet pour qu'il chasse l'accusateur et l'oppresseur de notre nature humaine et nous garde libres de tout mal. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec vous en l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Prière de protection à Dieu, Créateur et Défenseur du genre humain, contre les mauvais esprits. Ô Dieu, Créateur et Défenseur du genre humain, vous qui avez créé l'homme à votre image et à votre ressemblance, regardez-moi, votre enfant bien-aimé, par la grâce du baptême, attaqué par la méchanceté des esprits impurs, troublé par les assauts de l'antique adversaire
le vieil ennemi de la terre, et par ses suppôts qui ne pensent qu'à nuire aux autres, mais qui courent à leur perte. Éloignez, Seigneur, ces assaillants, dévoilez leurs pièges, chassez le tentateur. Marquez-moi de votre nom, que celui-ci me défende dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Gardez ma poitrine, mes viscères et mon cœur. Dissipez toute tentative de l'adversaire de pénétrer en moi. Faites-moi, ô Seigneur, la grâce qu'à l'invocation de votre nom très saint, celui-là même qui jusqu'à maintenant terrorisait, s'enfuit atterré et vaincu, et que je puisse, avec un cœur ferme et un esprit sincère, vous servir dans les dispositions les meilleures. Par le Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Ô Dieu, Créateur et défenseur du genre humain, vous qui avez créé l'homme à votre image et à votre ressemblance, regardez-moi, votre enfant bien-aimé par la grâce du baptême, attaqué par la méchanceté des esprits impurs, troublé par les assauts de l'antique adversaire, le vieil ennemi de la terre, et par ses suppôts qui ne pensent qu'à nuire aux autres, mais qui courent à leur perte. Éloignez, Seigneur, ces assaillants, dévoilez leurs pièges, chassez le tentateur. Marquez-moi de votre nom, que celui-ci me défende dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Gardez ma poitrine, mes viscères et mon cœur. Dissipez toute tentative de l'adversaire de pénétrer en moi. Faites-moi, ô Seigneur, la grâce qu'à l'invocation de votre nom très saint, celui-là même qui jusqu'à maintenant terrorisait, s'enfuit atterré et vaincu, et que je puisse, avec un cœur ferme et un esprit sincère, vous servir dans les dispositions les meilleures. Par le Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Prière pour éloigner les mauvais esprits. Au nom de Dieu Tout-Puissant et par l'intercession de Saint Benoît, que les esprits mauvais s'éloignent de moi et de ceux qui me sont chers, et que les bons anges nous servent de rempart contre eux. Esprits malfaisants qui inspirez aux hommes de mauvaises pensées, esprits fourbes et menteurs qui les trompez, esprits moqueurs qui vous jouez de leur crédulité, je vous repousse de toutes les forces de mon âme et ferme l'oreille à vos suggestions, et j'appelle sur moi la miséricorde de Dieu. Saints anges qui daignez nous assister, donnez-nous la force de résister à l'influence des esprits mauvais et les lumières nécessaires pour n'être pas dupes de leur fourberie. Gardez-nous de l'orgueil et de la présomption. Écartez de nos cœurs la jalousie, l'envie, la haine, la malveillance et tout sentiment contraire à la charité, qui sont autant de portes ouvertes à Satan et à ses suppôts. Amen. Au nom de Dieu Tout-Puissant et par l'intercession de Saint Benoît, que les esprits mauvais
s'éloigne de moi et de ceux qui me sont chers, et que les bons anges nous servent de rempart contre eux. Esprit malfaisant qui inspirait aux hommes de mauvaises pensées, esprits fourbes et menteurs qui les trompaient, esprits moqueurs qui vous jouaient de leur crédulité, je vous repousse de toutes les forces de mon âme et ferme l'oreille à vos suggestions, et j'appelle sur moi la miséricorde de Dieu. Saints anges qui daignez nous assister, donnez-nous la force de résister à l'influence des esprits mauvais et les lumières nécessaires pour n'être pas dupes de leur fourberie. Gardez-nous de l'orgueil et de la présomption. Écartez de nos cœurs la jalousie, l'envie, la haine, la malveillance et tout sentiment contraire à la charité, qui sont autant de portes ouvertes à Satan et à ses suppôts. Amen. Au nom de Dieu Tout-Puissant, et par l'intercession de Saint Benoît, que les esprits mauvais s'éloignent de moi et de ceux qui me sont chers, et que les bons anges nous servent de rempart contre eux. Esprit malfaisant qui inspirait aux hommes de mauvaises pensées, esprits fourbes et menteurs qui les trompaient, esprits moqueurs qui vous jouaient de leur crédulité, je vous repousse de toutes les forces de mon âme et ferme l'oreille à vos suggestions, et j'appelle sur moi la miséricorde de Dieu. Saints anges qui daignez nous assister, donnez-nous la force de résister à l'influence des esprits mauvais et les lumières nécessaires pour n'être pas dupes de leur fourberie. Gardez-nous de l'orgueil et de la présomption. Écartez de nos cœurs la jalousie, l'envie, la haine, la malveillance et tout sentiment contraire à la charité, qui sont autant de portes ouvertes à Satan et à ses suppôts. Amen. Prière pour lier et chasser les esprits mauvais. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, et par le pouvoir et l'autorité de mon sacerdoce ministériel, j'invoque la pleine autorité de l'Église et les clés de Saint-Pierre, et je rends impuissants et inefficaces tous les esprits mauvais qui vous tourmentent, vous, votre famille, vos amis, votre communauté de vie, ceux qui prient pour vous, et les membres de leur famille ou toute personne associée à vous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, et par le pouvoir et l'autorité de mon sacerdoce ministériel, je lie et chasse tous les mauvais esprits, toutes les puissances démoniaques, de l'air, de l'eau, du feu, du sol, du sous-sol et du monde des morts, ainsi que toutes les forces sataniques dans la nature et tous les émissaires du quartier général de Satan. Je lis dans le sang de Jésus tous leurs attributs, aspects et caractéristiques, toutes leurs interactions, communications et manigances destinées à vous tromper et à vous perdre. Je romps tous les liens et attachements entre vous et ces esprits, et je brise toutes les cages et tous les cadenas spirituels qui vous bloquent, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, et par le pouvoir et l'autorité de mon sacerdoce ministériel,
j'invoque la pleine autorité de l'Église et les clés de Saint-Pierre, et je rends impuissants et inefficaces tous les esprits mauvais qui vous tourmentent, vous, votre famille, vos amis, votre communauté de vie, ceux qui prient pour vous, et les membres de leur famille, ou toute personne associée à vous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, et par le pouvoir et l'autorité de mon sacerdoce ministériel, je lis et chasse tous les mauvais esprits, toutes les puissances démoniaques, de l'air, de l'eau, du feu, du sol, du sous-sol et du monde des morts, ainsi que toutes les forces sataniques dans la nature et tous les émissaires du quartier général de Satan. Je lis dans le sang de Jésus tous leurs attributs, aspects et caractéristiques, toutes leurs interactions, communications et manigances destinées à vous tromper et à vous perdre. Je romps tous les liens et attachements entre vous et ces esprits, et je brise toutes les cages et tous les cadenas spirituels qui vous bloquent, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, et par le pouvoir et l'autorité de mon sacerdoce ministériel, j'invoque la pleine autorité de l'Église et les clés de Saint-Pierre, et je rends impuissants et inefficaces tous les esprits mauvais qui vous tourmentent, vous, votre famille, vos amis, votre communauté de vie, ceux qui prient pour vous, et les membres de leur famille, ou toute personne associée à vous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, et par le pouvoir et l'autorité de mon sacerdoce ministériel, je lis et chasse tous les mauvais esprits, toutes les puissances démoniaques, de l'air, de l'eau, du feu, du sol, du sous-sol et du monde des morts, ainsi que toutes les forces sataniques dans la nature et tous les émissaires du quartier général de Satan. Je lis dans le sang de Jésus tous leurs attributs, aspects et caractéristiques, toutes leurs interactions, communications et manigances destinées à vous tromper et à vous perdre. Je romps tous les liens et attachements entre vous et ces esprits, et je brise toutes les cages et tous les cadenas spirituels qui vous bloquent, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière pour lier et chasser les esprits mauvais. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, et par le pouvoir et l'autorité de mon sacerdoce ministériel, j'invoque la pleine autorité de l'Église et les clés de Saint-Pierre, et je rends impuissants et inefficaces tous les esprits mauvais qui vous tourmentent, vous, votre famille, vos amis, votre communauté de vie, ceux qui prient pour vous, et les membres de leur famille, ou toute personne associée à vous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, et par le pouvoir et l'autorité de mon sacerdoce ministériel, je lis et chasse tous les mauvais esprits, toutes les puissances démoniaques, de l'air, de l'eau, du feu, du sol, du sous-sol et du monde des morts, ainsi que toutes les forces sataniques dans la nature et tous les émissaires du quartier général de Satan. Je lis dans le sang de Jésus tous leurs attributs, aspects et caractéristiques, toutes leurs interactions, communications et manigances destinées à vous tromper et à vous perdre. Je romps tous les liens et attachements entre vous et ces esprits, et je brise toutes les cages et tous les cadenas spirituels qui vous bloquent,
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, et par le pouvoir et l'autorité de mon sacerdoce ministériel, j'invoque la pleine autorité de l'Église et les clés de Saint-Pierre, et je rends impuissant et inefficace tous les esprits mauvais qui vous tourmentent, vous, votre famille, vos amis, votre communauté de vie, ceux qui prient pour vous, et les membres de leur famille, ou toute personne associée à vous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, et par le pouvoir et l'autorité de mon sacerdoce ministériel, je lie et chasse tous les mauvais esprits, toutes les puissances démoniaques, de l'air, de l'eau, du feu, du sol, du sous-sol et du monde des morts, ainsi que toutes les forces sataniques dans la nature et tous les émissaires du quartier général de Satan. Je lis dans le sang de Jésus tous leurs attributs, aspects et caractéristiques, toutes leurs interactions, communications et manigances destinées à vous tromper et à vous perdre. Je romps tous les liens et attachements entre vous et ces esprits, et je brise toutes les cages et tous les cadenas spirituels qui vous bloquent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, et par le pouvoir et l'autorité de mon sacerdoce ministériel, j'invoque la pleine autorité de l'Église et les clés de Saint-Pierre, et je rends impuissant et inefficace tous les esprits mauvais qui vous tourmentent, vous, votre famille, vos amis, votre communauté de vie, ceux qui prient pour vous, et les membres de leur famille, ou toute personne associée à vous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, et par le pouvoir et l'autorité de mon sacerdoce ministériel, je lie et chasse tous les mauvais esprits, toutes les puissances démoniaques, de l'air, de l'eau, du feu, du sol, du sous-sol et du monde des morts, ainsi que toutes les forces sataniques dans la nature et tous les émissaires du quartier général de Satan. Je lis dans le sang de Jésus tous leurs attributs, aspects et caractéristiques, toutes leurs interactions, communications et manigances destinées à vous tromper et à vous perdre. Je romps tous les liens et attachements entre vous et ces esprits, et je brise toutes les cages et tous les cadenas spirituels qui vous bloquent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière pour lier et chasser les esprits mauvais. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, et par le pouvoir et l'autorité de mon sacerdoce ministériel, j'invoque la pleine autorité de l'Église et les clés de Saint-Pierre, et je rends impuissant et inefficace tous les esprits mauvais qui vous tourmentent, vous, votre famille, vos amis, votre communauté de vie, ceux qui prient pour vous, et les membres de leur famille, ou toute personne associée à vous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, et par le pouvoir et l'autorité de mon sacerdoce ministériel, je lie et chasse tous les mauvais esprits, toutes les puissances démoniaques, de l'air, de l'eau, du feu, du sol, du sous-sol et du monde des morts, ainsi que toutes les forces sataniques dans la nature et tous les émissaires du quartier général de Satan. Je lis dans le sang de Jésus tous leurs attributs, aspects et caractéristiques, toutes leurs interactions, communications
et manigance destinés à vous tromper et à vous perdre. Je romps tous les liens et attachements entre vous et ces esprits, et je brise toutes les cages et tous les cadenas spirituels qui vous bloquent, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, et par le pouvoir et l'autorité de mon sacerdoce ministériel, j'invoque la pleine autorité de l'Église et les clés de Saint-Pierre, et je rends impuissants et inefficaces tous les esprits mauvais qui vous tourmentent, vous, votre famille, vos amis, votre communauté de vie, ceux qui prient pour vous, et les membres de leur famille, ou toute personne associée à vous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, et par le pouvoir et l'autorité de mon sacerdoce ministériel, je lis et chasse tous les mauvais esprits, toutes les puissances démoniaques, de l'air, de l'eau, du feu, du sol, du sous-sol et du monde des morts, ainsi que toutes les forces sataniques dans la nature et tous les émissaires du quartier général de Satan. Je lis dans le sang de Jésus tous leurs attributs, aspects et caractéristiques, toutes leurs interactions, communications et manigances destinées à vous tromper et à vous perdre. Je romps tous les liens et attachements entre vous et ces esprits, et je brise toutes les cages et tous les cadenas spirituels qui vous bloquent, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, et par le pouvoir et l'autorité de mon sacerdoce ministériel, j'invoque la pleine autorité de l'Église et les clés de Saint-Pierre, et je rends impuissants et inefficaces tous les esprits mauvais qui vous tourmentent, vous, votre famille, vos amis, votre communauté de vie, ceux qui prient pour vous, et les membres de leur famille, ou toute personne associée à vous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, et par le pouvoir et l'autorité de mon sacerdoce ministériel, je lis et chasse tous les mauvais esprits, toutes les puissances démoniaques, de l'air, de l'eau, du feu, du sol, du sous-sol et du monde des morts, ainsi que toutes les forces sataniques dans la nature et tous les émissaires du quartier général de Satan. Je lis dans le sang de Jésus tous leurs attributs, aspects et caractéristiques, toutes leurs interactions, communications et manigances destinées à vous tromper et à vous perdre. Je romps tous les liens et attachements entre vous et ces esprits, et je brise toutes les cages et tous les cadenas spirituels qui vous bloquent, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière pour lier les esprits mauvais. Seigneur Jésus, je te demande de lier les esprits mauvais qui rôdent autour de moi. Je te demande de lier toutes les forces du mal et de recouvrir de ton précieux sang tous les éléments. Seigneur Jésus, interdis à tout esprit du mal de me nuire ou de nuire au mien de quelque façon que ce soit. Neutralise toute malédiction proférée contre moi et ma famille. Par le mystère de ta sainte incarnation, Jésus, délivre-moi de tous les esprits qui me tourmentent. Par ton nom très saint, Jésus, libère-moi de toute force négative ou maléfique. Libère-moi de tout fardeau qui pèse sur ma vie.
par ton amour, chasse loin de moi tout esprit de crainte. Que le doute cède la place à la certitude, que le mensonge cède la place à la vérité, que la peur cède la place à la foi et à l'audace, que la malédiction cède la place à ta bénédiction, que la maladie cède la place à la santé, que l'oppression cède la place à la délivrance, que la faiblesse cède la place à ta puissance, que la méchanceté cède la place à ta bonté, que la défaite et les échecs cèdent la place à la pleine victoire de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous réprime, Satan, et vous, esprits rebelles, rejetés par Dieu, esprits impurs et persécuteurs. Retirez-vous immédiatement loin de moi. Jésus crucifié, mort et ressuscité, vous le commande. L'Immaculée Vierge Marie vous le commande. Saint Joseph et Saint Benoît vous le commande. Au nom de Jésus, que soit détruit le venin des maléfices et de la peur que Satan répand sur moi. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Jungle.